Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau Loda Musique. Aujourd'hui, on accueille dans l'émission Aurore, on regarde tout de suite son clip. Bonjour les filles. Ça va? Très bien, et vous? Ça va. On commence tout de suite par la présentation. Alors, dis-nous un peu qui ça où l'est, où ça où sente. Alors, je m'appelle Aurore, j'ai 27 ans et je suis née à Lens et j'habite à Élan-Salé. À quel âge vous commencez la musique? Oh là, j'ai commencé la musique vers 25 ans par là. Et ta première scène, comment elle s'est passée? Très stressée parce que j'ai fait Créole Tour, donc il y avait pas mal de public et donc c'était une première pour moi, mais après ça allait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Alors il faut savoir que ma mère elle est chanteuse et moi j'étais danseuse avant de devenir chanteuse. Et donc, fur et à mesure avec les scènes et puis voir d'autres artistes et puis que j'aime aussi chanter à la base, je me dis pourquoi pas moi et puis je me suis lancée directement. Alors, est-ce que chanteuse, c'est ton métier ou bien c'est juste une passion? Alors, chanteuse, c'est une passion et mon métier, c'est être soignante. Et est-ce que tu aimerais faire des duos avec quelqu'un? Oui. Avec qui? Benjam, Michael, et puis pour le moment ça va.
Alors, ton titre, Les Gravés, pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre? Parce que c'est mon histoire, c'est mon vécu et ça m'a beaucoup marqué dans la vie. Donc bah, je voulais le faire partager aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se reconnaître à travers ce titre-là. Et pour moi, voilà, ça m'a beaucoup marqué que j'ai voulu le faire partager. Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a donné envie de chanter? Oui, il y a une artiste qui m'a donné envie de chanter et elle s'appelle Misty, excusez-moi. Et du coup, c'est qui ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Rihanna. On Voilà. regarde tout de suite un clip de Rihanna. Criminal, 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 whole lot of murder.
touch bees, give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh, mama, 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 I just shot a man down in San Jose Station. On continue avec le dé de selfie. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue? Oui, ça commence. Oui. Et Kosaba Naizao, quand il va où? Ça pas la chanteuse Aurore, ça, mon destin, mon destin. Et donc, oui, oui, c'est moi. Donc, au fur et à mesure, ça avance et on me reconnaît. Et c'est quoi Bani de mon Nao? On a pris les cours de danse. La vraie cour de chant, plein de petites questions et tout. Et pour faire plaisir à nous et à vos fans, est-ce que vous voulez bien chanter un extrait d'une de tes chansons? Oui. Le temps, la brise à nous, à force écoute de moun causer. Nous la pagane surmontée, nous la laisse, nous l'amour aller. La langue bat, 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 à force voit notre complicité. Les moments doux que nous l'avait, la fait que jalouse et bomper. Dis-moi qu'un jour nous va retrouver. Que notre amour nous va achever. Que mon destin l'est toujours gravé. Dans notre pensée, mon adoré. Merci. On continue avec le quiz Ali. Alors, ta couleur préférée? Le rouge. Ton carré préféré? Les sautés de mine. Ton signe astrologique? Lion. Ta phobie? Les araignées. Quel est l'animal que tu aimerais être? Un oiseau. Quel personnage de dessin animé ou de film tu aimerais être? Hermione dans Harry Potter. Des vacances parfaites pour toi? Oh là là, ce serait sur une belle île. Mais j'aime l'île Maurice, moi. Sable blanc, être servi, rien à faire, et doigts de pied en éventail. Donc, et bien manger surtout, j'aime bien manger. Plus talons ou basket? Il dépend, mais en prestation, plus talons. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plus basket ou ballerine, tranquille. Tu préfères les jeans ou bien les robes? Ça dépend aussi. Ça dépend des occasions. Qu'importe, les deux, j'aime bien. Ton plus grand voyage? Que j'ai fait? C'était en Guyane, à Cayenne. Et le voyage que t'aimerais réaliser? Dubaï. Plus plage ou montagne? Plage. Est-ce que t'as des projets pour l'avenir personnel ou professionnel? Côté musique, bientôt il y aura un featuring, je pourrais pas dire encore pour le moment le nom. Et un album en vue, que je suis en train de travailler avec KDM Family, avec Olivier Brick. Et continuer dans la lancée, quoi. Donc merci Aurore d'être venue à notre émission. Merci à vous. Donc maintenant nous ça demande à O de lève à O et de venir danser avec nous. Allez-vous?